Sochaux 17e accueille le Red Star 4e. Des Sochaliens sur 3 matchs nuls après 2 défaites consécutives. La situation est critique. Les Lyonceaux sont juste au-dessus de la zone rouge. Le Red Star de son côté est beaucoup plus efficace. Une seule défaite sur les 13 derniers matchs pour le promu qui est deuxième à l'extérieur. 5 victoires, 6 nuls et une défaite. Comme Sochaux a du mal à Bonal, les joueurs du Red Star espèrent bien faire un résultat. Ramaré, Berenguer, Rayos, Ilaima Eritra sont tous blessés pour Sochaux. Côté Red Star, se sont plantés Sampaio et Amieux qui sont à l'infirmerie. Premier corner pour Sochaux et l'ouverture du score. Adolphe Teike marque son premier but de la saison à la 7e minute. Le capitaine du FC Sochaux Montbéliard lance bien son équipe. Une formation de Sochaux parfois en difficulté devant le but avec beaucoup d'occasions mais un manque de réalisme criant. Sur la première occasion, un but, ça rassure. Le Red Star essaye de revenir. Le tir de loin, mais ça passe au-dessus. Sochaux continue à prendre beaucoup d'initiatives avec Karl Toko et Cambi. Mais c'est manqué. Puis ses coups cissés sur ce débordement. Le centre et ballon capté par Arnaud Baligeon. À la mi-temps, Sochaux mène 1-0. Le Red Star ne peut pas compter sur sa dernière recrue, Fernando Aristegueta. L'international vénézuélien, ancien attaquant de Nantes, est arrivé au mercato hivernal. Il n'est pas encore dans le groupe. À la mi-temps, le coach du Red Star, Rui Almeida, procède à 2 changements. Albert Rafetraniaina, ancien niçois, remplace Yann Boekan. Amer Boisa, qui n'était pas titulaire, remplace Ange-Freddy Plumin. Et ces changements ont un effet car dès le retour du vestiaire, le Red Star est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus présent en attaque. Avec notamment cette frappe enroulée magnifique de Florian Makedjouf. À l'heure de jeu, c'est l'égalisation. Un but partout, deuxième but de la saison pour Makedjouf. La variété des buteurs est un problème pour Sochaux. Il n'y en a eu que 6 depuis le début de la saison en incluant Teike qui a ouvert le score un petit peu plus tôt. Côté Red Star, 11 joueurs différents ont réussi à marquer au moins un but en Ligue 2 depuis le début de la saison. Une équipe de Sochaux qui pousse pour essayer de reprendre l'avantage, mais elle n'y parvient pas. On s'approche des dernières minutes. Et un ballon d'attaque intéressant pour les Odoniens. La balle dans la surface pour Anatole Gamoukol qui porte le score à 2-1 à la 87e minute. C'est le coup de grâce pour Sochaux, 5e but de la saison pour Anatole Gamoukol. Et un coup très dur sur la tête des Lyonceaux. Des Sochaliens qui se sont bien battus mais qui encore une fois se retrouvent battus chez eux. Sochaux plonge dans la zone de relégation. Excellente opération pour le Red Star qui s'impose 2-1 au Stade Bonal.